Salut tout le monde. Bon, je suis pas très très en forme, mais je vous avais promis un épisode spécial où on va faire plein de tests. Alors je vous préviens, à la base c'était pas prévu que je fasse du Minecraft. Oui, parce que je voulais jouer à un jeu qui s'appelle, alors je peux vous le dire le nom. C'est pas le jeu qui remplacera Final Fantasy, c'est toujours un secret. Ça s'appelle Orc Must Die. C'est toujours plus de morts pour les orcs. Un truc dans le genre. Enfin, c'est ce que je crois. Donc du coup, je suis là pour tester un peu toutes les possibilités du mode que je suis en train d'explorer avec vous, avec la série Exit. Exit, hein, c'est le nom du Minecraft. Hein. Et du pendant que ça charge, on va pouvoir parler un peu de choses. Oui, un peu de choses. Alors, je sais pas quoi dire. Vous avez promis un épisode spécial car ce sera un peu con de laisser la chaîne comme ça, l'abandon pendant un long moment. Parce que étant donné que après cette semaine, il restera encore une semaine avant que je puisse reprendre normalement les vidéos. Donc du coup, voilà. Ah, explication, je vous avais promis plein de vidéos en retour des vacances, au retour des vacances. Sauf que je n'ai pas pu, car j'ai eu plein de problèmes lorsque je faisais mes vidéos. Plein. Je peux pas vous les compter. À chaque jour, j'essayais de poster une vidéo. Enfin, poster, c'est un bien grand mot. J'essayais d'en faire une, hein. Mais j'ai totalement foiré. Donc vous étonnez pas si vous voyez des trucs bizarres la prochaine fois qu'il y aura un épisode d'Exit, hein. Mais c'est con, pourquoi tu ne fais pas un épisode d'Exit maintenant? Bah parce que c'est pas prévu. J'ai rien prévu pour Exit là actuellement. Donc c'est pour ça que je m'abuse à enlever de la pierre qui est sous la terre. Vous voyez un peu de l'eau. What the fuck? Donc déjà j'ai commencé par... Alors je ne vous présente pas directement, je cherche un objet. Donc déjà vous pouvez voir qu'il y a 4 pages de... ou si vous préférez des pages comme ça, il y en a 27 objets, 27 items. Donc du coup je cherche un objet. Où est-il ça? Je sais pas, j'essaie. Ah oui, tout plein de blocs. Exploration. Alors ça, c'est le mode que j'ai essayé de vous présenter durant plusieurs trucs, hein, je survole. Je vais pas vous le présenter en test, étant donné que je vais le présenter dans l'épisode prochain. Alors, il est séparé en plusieurs parties sur Forge. La partie 1 que vous venez de voir il y a 2 secondes. La partie 2, ça ce sont les matériaux approximatifs qu'on peut faire. Là, ce sont les blocs de construction. Donc, ça c'est ça. D'ailleurs, je me demande si l'objet que je cherche il est pas dans la truc. Non. Il est pas dedans. Il me semble bien qu'il y a un objet de ce genre. Car je cherche à surélever la terre et je connais un truc qui fait apparaître. What the arcade. Alors ça c'est Beta Storage. C'est un mode que je vous ai déjà montré encore. Je crois que c'est celui-là que je vous ai montré. Avec de l'espace. Hein. Celui que je pense. Le meilleur que je ferai. En diamant, je prends celui qui est à la fin. Voici un coffre en diamant. L'espace qu'il y a. C'est ce que je regarde. Ils font la même taille. Ok. Cool. Donc c'est sympa parce que comme ça, le meilleur coffre qu'il y aura pour le stockage, ce sera celui-là. On peut aussi fermer ses coffres hein, à clé, mais je trouve pas l'utilité hein, étant donné que je suis en solo. Ah, parlons de solo. L'inverse, multijoueur. La série. WG est actuellement stoppé hein. C'est pas ma décision quoi que ce soit d'autre, c'est à reprendre dans peu de temps sûrement, car faut savoir que je suis comment dire, bon faut être vieux pour pas l'avoir vu hein. Je fais cette série avec un ami il bosse hein. Et donc du coup il est pas toujours présent, je ne peux pas toujours l'inviter chez moi pour faire ses vidéos, donc du coup voilà. Je pense avoir une petite idée de comment régler le problème. Voilà, c'est pas pour le moment. Ce week-end, je pense pas. Enfin, ce serait possible, ce serait sympa. Donc, j'ai pas l'air de trouver ce que je cherche. Dommage. Est-ce que c'est ça?
Waouh. Elle est sympa cette baguette. Maître des torches. C'est la baguette la plus fantastique que j'ai vue. Outil peut-être. C'est un peut-être là. Bas. Non, toujours pas. Oh la bouffe. Nanana. Plein de blocs. Plein de décorations. Un peu de wisdom. Des trucs que je connais pas. Et peut-être là. Eh ben non, je pense pas le trouver. On va dans ce cas faire un truc propre, hein. Car l'objet que je cherchais, c'était pour faire apparaître des îles vol... Quel con, ça apparaît mieux naturellement. Il n'y a pas de baguette pour ça, ping. C'est dans un autre mode, ping. Un autre mode pack. Sinon les îles volantes, on peut les trouver comme ça, faut chercher. Par exemple sur le radar, j'en vois déjà une. Voilà, c'est ce que je cherchais, parce que c'est la terre en élévation et je vais faire apparaître un donjon. Oui, un donjon. Vous avez parfaitement compris ce que j'essayais de dire. Parfaitement compris ce que j'essayais de dire. Alors, pourquoi un donjon? Parce que dans notre mode, on n'en a pas exploré beaucoup. Pourtant, je vais vous montrer le genre de donjon qu'on peut croiser. Avec, enfin, le donjon que je cherche hein, depuis un moment. Je crois bien que je vous en ai déjà montré un, mais c'était bof. C'était un donjon assez bof. Il y avait le meilleur. Franchement, les meilleurs. Oui. Alors, je rebouche l'eau parce que ça pourrait poser problème pour l'apparition du donjon. Parce que si j'ai pas un grand espace de terre, le donjon, au lieu d'apparaître en surface, ici, quoi, il va apparaître sur les trois blocs sur les couches de trois blocs qu'il y a en bas. Et c'est mauvais parce qu'il y a des sous-sols et tout en autres, donc du coup, ça va pas se générer, ça, le vide remplacera ça. Donc. C'est pour ça que je cherche une mise en hauteur. Bon, ben, au lieu, vous aurez pu voir ce qu'il y avait comme mode. Ça aurait été sympa. D'abord je fais le donjon et après je mets la pause ou pas? Non. Ah! T'es chier! Bon. Il y a des fois où il faut savoir se résigner à se mettre en piste. Oui. Oui. Piste. Je dois dire quelque chose pour éviter que vous fasse chier. Parce que je pense que même à vous. Pourquoi t'as pas fait de vidéo pendant ce temps-là? Parce que je pense à vous. Alors, cet arbre me fait chier. Oh. J'allais dire pour respect à la vie naturelle des choses. Qui est très très français. Très très French. Qu'il y a un meilleur outil pour ça. Voilà, super tout Creative Online, seulement Creative. Pourquoi? Parce que ça dégueule ça. Ça, son papa. Excusez-moi. Alors, ça, bien sûr, vous ne verrez jamais utiliser ça en survie, même si ça m'aurait plu. Pourquoi? Parce que c'est seulement en Creative. Marqué. J'aurais bien voulu m'en servir. Par contre, l'utilité de ce truc, c'est énorme. C'est pour ça que c'est pratique, c'est ça qui est cool. J'attire les objets inutiles. Ça, je vais le mettre de côté pour vous présenter. Et je vais prendre mon donjon. Alors, mon préféré, c'est Castle Snow. Château de neige. Alors, ça va friser un peu. Hein. Enfin, là, je bouge comme ça, tranquillou. Mais en fait, je peux rien faire. Juste me déplacer. Et vite. Par exemple, cet arbre, moi, je vais le visiter. Je vais pas le casser. Parce que je ne peux pas. Regarde, ce jeu bug à mort. Oui. Le mode de terre dans... Puisque... je pense pas que ça cache quelque chose, ça. Une église abandonnée. Faut bien avoir vu. Là-bas, Batopto. Alors, je crois que le château s'est généré, car vous venez de voir le boss secret. En plus, je crois bien que c'est mon préféré qui va se générer. C'est le boss secret. Oui, c'est un boss d'un donjon qui génère aléatoirement. C'est une grosse tortue. Bon, elle est dans sa coquille là, mais c'est une grosse tortue. Donc, du coup,
Il est laissé tranquille et j'allais voir si le château s'est généré du coup. Je ne pense pas. Donc il va falloir attendre un peu. Non. Par exemple, là il y a une porte apparemment qui se fait. Je vais aller voir la bataille de verre. Je parle pas beaucoup. Hein. Là, y a un truc qui fait chier, c'est. J'espère que le ventilo fasse pas trop chier parce que j'ai toujours pas de bon micro. Je peux pas ouvrir. Et donc, du coup, étant donné qu'il tourne à plein régime, là, le ventilo de l'ordi, c'est un peu chiant. Bon, je vais mettre la pause. Ah! Cool! Oui! 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 Ouais, c'est bel et bien mon château pour les fées. Enfin, c'est pas le plus amusant à faire, mais bon. Pour vous dire, château préféré, c'est. Bon, Didi Boss le confirmera quand je ferai une vidéo avec lui. C'est dans ce château que, à un moment, je lui avais montré ce modpack, mais ça fait un long moment. Et j'avais choisi d'habiter dans un donjon. Et quand j'ai spawné dans le jeu. Et ben je suis tombé directement sur ce donjon là. Et j'ai choisi d'habiter dedans et je me suis même fait ma propre machine. Je souligne le mot parce qu'elle est bien à chier. Mais elle est sympa. En fait à la base j'ai essayé de faire un stockage d'objets mais automatisé mais ça n'a pas vraiment fonctionné. À la place ça m'a servi de stockage d'équipement vu que ça prenait que ça. Je veux plein de la lumière. Il me faut de la lumière. Oh, le bâton magique. Le bâton magique. Je parle très mal de modulier. Où est-ce qu'il est? Là, peut-être. Safe sur machin. Voilà. Et du coup, je peux lâcher ça. Hein. Voilà. Je suis venu habiter dans la première zone. Alors, ce sont des donjons comme ça. Parce que tout ça, ce sont des spawners à mobs. Hein. Hein. Bon, vu que j'ai déjà habité dedans, je connais tous les secrets de ce truc. Par exemple, vous voyez cette bibliothèque hein. Ben derrière, il y a un piège. Heureusement que je suis pas sur lui. Il y a un piège. Un joli piège. Et après, il y a le boss. Sans prendre garde, mais une fois que je suis atterri ici, c'est le boss secret. C'est pour ça qu'il est tombé dans le vide. Hein. Parce que voilà, il y a un trou ici. Et il y a un putain de trésor. Le prendre et là il y a la sortie. On pouvait aussi accéder à l'extérieur bah, si on creusait et qu'on faisait pas le jeu en réglo. J'étais tombé dessus quand j'ai voulu aménager dedans. Très bien. Là-bas il y a une cuisine normalement. Alors c'est pas une cuisine. Non, si il y a une cuisine par ici. Oui, il y a une cuisine. Donc premier étage, hein, c'était l'amour. Surtout qu'on apparaît quoi, on tombe sur ça. Par contre c'était un peu hardcore au début, hein. J'avais rayé tout cet escalier, j'ai jamais accédé au deuxième étage. Par ici il n'y a rien, normalement il y a une salle de trône, mais du trône, mais il n'y a rien. Si je me souviens, je suis mort plein de fois. Enfin vous souviendrez de rien parce que à ce moment-là je faisais aucune vidéo. Donc c'est bien ce genre de donjon que je voudrais faire moi. Oh, mon bâton va se péter. Je veux dire sa durabilité. Des chances qui se pètent. C'est nul ça. Oh. Et tout haut, attendez. Bonjour. C'est cool. Ce qui m'avait bien plu, c'est que. Bon, c'était un peu foiré leur système. C'est la première fois que je suis arrivé. Mais de base, on n'est pas censé par là. Hein. Oui, français. I am French. French. Oui, French. Bon. C'est pas super amusant de passer par ici parce que tu dois juste monter des étages en boucle et tu dois taper des monstres et tout ce que tu championnes. Mais... Et ce qui m'avait bien plu, c'est qu'ils avaient au moins fait un système de redstone pour un donjon. Vous pouvez éteindre à l'intérieur il y a la redstone. Et bon, c'était une vraie mine d'or pour moi. Parce que je cherchais. Oh, oui, je me suis battu. Ah! Les bottes que j'essaierai absolument d'avoir lors de ma partie en survie. Pourquoi? Bah, à vrai dire, donc je suis en paisible, je pense qu'ils vont pas apparaître. C'est mauvais bouton. Ces bottes, s'ils apparaissent.
Je pense pas qu'ils vont m'en vouloir. Ils sont paisibles. Ouais, toi tu me fais rien. Donc, voilà, on saute haut. On reçoit pas de dégâts de chute. Donc par exemple, je tombe de là. Ouf, j'ai rien reçu. Ou si, à part des dégâts d'ennemis. C'est, on va dire, les boots. Les meilleures bottes du jeu, quoi. Oui, quoi. Enfin, pour l'exploration et tout. Sinon, au niveau résistance, je peux vous montrer la meilleure armure, enfin, d'après moi. Ce serait celle-là. La plus swap, soigneuse. Tadam. Alors, cheater, hein. Quand je dis cheater, hein. Force, résistance, résistance au feu. Et il s'opponent. Et on en parle ici, il y a le boss qui apparaît au plein milieu d'ici. Oui, français, plein milieu d'ici. Putain, je suis vraiment fatigué ce soir. Et on avait plein de trésors, c'est pour ça que j'aimais bien ce jeu-là. Parce qu'il était assez généreux au niveau équipement et blocs et tout ça. Donc c'était cool. Donc niveau mode, il y en a assez sympa, enfin de assez sympa. Vous montrer ça. Oh putain, ça passe au-dessus, ça. Hein? On va voir. Armure, quelle armure. On a des tonnes de mobs. Merde, je me suis coulé. Plein de mobs. Alors, celui que je vous ai présenté avec. Enfin, je vous ai rien présenté. C'est celui qui a fait apparaître le monde. Enfin, les donjons. C'est cool. C'est. Je suis pas doué pour vous présenter des mobs, alors je vais vous faire ça à l'arrache. Donc Vita Donjon, ça c'est aventure item, c'est classe, je ne sais pas trop comment. Alors ça, bon, je vais plutôt vous faire du genre la version où on va explorer quel mode dans quel monde. Le premier mode qu'on a exploré, c'est Vita Donjon, c'est lui qui génère des donjons comme ça, c'est-à-dire non, c'est pas le premier mode, c'est Battle Tower, voilà, mais il n'y a pas d'affiche ici, alors, que dalle. Le deuxième mode que je vais vous présenter, c'est-à-dire celui que je vous ai déjà présenté mais dont la vidéo a foiré, donc j'ai pas uploadé, enfin qui a foiré trois fois de suite, donc vous verrez un truc bizarre, bien bizarre, sur côté du château, c'est Tinker Construit. Il n'y a pas de nom entier ici, mais c'est un mode bien sympa. Pourquoi? Bah parce que vous pouvez carrément, alors, faut trouver des matériaux ici, faut les faire fondre et tout, alors, je cherche... Je me demande si c'est possible, non, c'est pas possible ça. Une blade. Et un bâton. Il me faut un bâton. Pas une touche froide. Un gros bâton. Oui, un gros bâton. Et je suis un peu pervers. Malilium. C'est le matériau le plus puissant du jeu. Il me faut ensuite la table de construction. Je vais prendre la toforge. Where is toforge? Ici. It's cool. Bon, les roses, c'est pas grave. Alors, vous pouvez, avec une fonderie, hein, bon, je vous la présente pas maintenant parce que vous la verrez après, dans deux semaines. Dans deux semaines, c'est bien gentil, ça. Ouf. Donc, j'ai pris des matériaux. Hein. Comment vous présenter ça, correctement? Vous créez carrément vos équipements comme vous le voulez. Vous faisiez, enfin, vous faisiez, oui. Excuse-moi, la fatigue, ouais. Vous faites des morceaux d'équipement comme vous le souhaitez, hein. Je vais vous présenter ça en vidéo, hein. Enfin pas maintenant, et après vous pouvez créer n'importe quoi, la présentation la plus bâclée du monde. Alors par contre, il y a certains équipements qui ont des utilités, des habilités, compétences assez cool, hein. Par exemple si je suis clic droite avec une rapière, là, je fais un saut en arrière, celle-là elle est bien pour arsener des coups, oui, voilà, ah. Ah, du sang. Donc, je vous ai présenté carrément la vie. Donc, c'est le premier mode que je vais vous présenter. Le troisième, ce sera sûrement celui-là. C'est avec plein de dimensions. C'est cool. Le troisième. Parce que après, j'ai pas décidé de l'ordre. Ce sera le troisième. Ce sera le suivant. Car c'est aussi une dimension. Bon. Beaucoup de monde devrait connaître ça. Hein, beaucoup de moi. Bon, je vais pas me faire chier. Voilà, je vais faire plein de modes. Je vais faire ça, ça, ça et ça. Voilà. Parce que je remarque qu'il est bientôt l'heure de
quitter la vidéo. Oui, quitter la vidéo. Donc, au moins, cette vidéo a servi à vous informer de ce que je dois faire durant, avant, de ce que j'ai écrit dans la discussion de ma chaîne. Mais bien sûr, je connais beaucoup de monde qui n'y vont jamais. Donc, ce serait sympa de regarder la discussion avant ça. Et je sais pas comment vous faire ça. Ça fait un moment que j'ai pas fait de vidéo. Tout ce que je peux vous dire, c'est que je suis encore là et que je ferai bientôt beaucoup de vidéos. Beaucoup. Je vous le promets, beaucoup. Allez, bye bye. Yeah. Allez, bye.